On s'était arrêté donc le dimanche après-midi, milieu d'après-midi, après l'accident, après le crash, vous étiez tous rendus chez le docteur Bernard Masson pour aller vérifier quelque chose, les fameux numéros sur la broche, qui ont confirmé que oui, c'est bien la broche que Vincent avait dans la jambe. Et on s'était arrêté au moment. Vous étiez demandé si vous n'alliez pas aller chez lui pour aller fouiller. C'est ça. Ouais, et moi je voulais, donc je me souviens aussi de mon idée, je voulais aller voir un numismate. Ou enfin vraiment un spécialiste de la chose, quoi, pour savoir ce qu'est que cette pièce qu'on a trouvée. Sais pas s'il faut voir un archéologue ou un numismate, mais quelqu'un dans le style, quoi. Ouais, bah de toute façon, bon, pour l'instant, oui, le numismate, ça peut être, c'est ne serait-ce que pour qu'il identifie, qu'il te confirme que c'est bien une pièce en or, ça peut le faire. Après, savoir qu'on est dimanche, donc il va falloir attendre au minimum le lendemain pour pouvoir en trouver un. Alors, je vous affiche une carte, un plan de Paris. Ça va peut-être mettre je sais pas si l'image est très très lourde, ça va peut-être mettre un peu de temps. Ah, c'est là qu'on va voir si... Eh, super! Tout de suite, ça c'est arrivé tout de suite. Ok. Donc pour l'instant, vous voyez en bas à gauche, vos tokens sont sur le terrain d'aviation. Voilà, je les avais mis là par défaut. Le domicile de Ferrier se trouve pas très très loin de Montmartre, pas loin du boulevard des Batignolles. Je vais prendre un token. Ça se trouve dans ce coin-là. Donc Ouais, c'est pas loin de la porte cli de la place de Clichy. Clichy. Ouais. Il habite le voilà, il habite dans ce coin-là. C'est pas très loin de Montmartre. Naturellement, Elisabeth, tu connais son adresse puisque tu y es déjà allé. Donc là, vous y allez comment? Mais on y était déjà, hein. Non, Oh, j'ai une voiture, je peux vous On était emporter. chez moi. Ouais, vous étiez chez le Ah docteur oui, et pardon, c'est voilà. vrai. Vous étiez arrêté, mais Ah juste oui, au moment où vous disiez, bon, ah ben, on va oui. peut-être aller chez Vincent, et on s'est arrêté au moment où vous alliez partir. Oui, ben prenons ma voiture. On a deux voitures, on a celle de la baronne et puis il y a la mienne aussi. Alors, vu que vous êtes quatre, Faire deux équipes. bon, vu que vous êtes quatre, vous tenez tous largement dans la voiture de la baronne. Hein. Vu Ouais, que ça voudrait c'est un dire. gros. Après, si on a besoin Voilà, de... je vais quand même prendre ma voiture et puis je vais suivre Madame la Baronne. D'accord. Très bien. Après, qui veut venir dans ma voiture, il n'y a pas de souci, hein. Je vais venir. Bon, bah, je vais t'accompagner. Ok. Avec les filles, garçons avec les garçons. Voilà. Bien, messieurs. Très bien. Bah, écoutez, donc vos deux voitures démarrent du cabinet du docteur Bernard Masson à Issy-les-Moulineaux. Vous passez le plus simple en fait, vous passez de l'autre côté de la Seine par Boulogne et vous. J'ai bougé ma carte. Et après, c'est de longer une partie des quais au moins jusqu'au Trocadéro. Puis du Trocadéro, passer par la place de l'Étoile pour rejoindre la place Clichy. Parce que je suppose qu'à l'époque, le périphérique n'était pas encore construit. Non. Non, non, non. À la place, il y avait des espèces de remparts tout autour de la ville. Donc
Alors, ça vous prend quand même, ça vous prend quand même un certain temps, même si c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas autant de circulation en voiture, mais il y a quand même, voilà, ça va vous prendre quand même un bon 45 minutes pour aller jusque là-bas. Elisabeth, toi, tu sais que, alors, l'adresse, il habite pas sur le, directement sur le boulevard Clichy, il habite rue d'Arcet, donc une toute petite rue adjacente, perpendiculaire. Et, tu sais qu'il habite dans un immeuble. Un deux pièces, il habite. Voilà, il a un tout petit appartement dans un immeuble qui paye pas vraiment de mine. Donc bon, vous, une fois que vous vous garez dans les environs, voilà, vous arrivez très vite à la porte du bâtiment. La question que je me posais, c'est est-ce que t'avais encore une clé de chez lui? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Mais peut-être que je connais le concierge. Éventuellement, ouais. Donc, voilà, je l'ai déjà croisé et qu'il me reconnaîtra. D'accord, bah écoute, tu sais à quelle fenêtre frapper pour prévenir le concierge. La fenêtre s'ouvre et t'as un type qui est visiblement il a fallu quelques minutes avant qu'il vienne ouvrir la fenêtre. Vous avez dû le réveiller en plein milieu de sa sieste. Donc il se frotte un peu les yeux, il regarde un peu tour à tour chacun jusqu'à ce qu'il se rende compte que parmi le petit groupe, il y a donc Elisabeth. Et tout de suite, mademoiselle, ça faisait un bout de temps qu'on vous avait pas vu. Bah oui, mais vous connaissez Monsieur Ferrier. Oui. Ça me fait plaisir de vous voir, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi vous n'avez pas le frappé chez lui directement? Bah, nous voulions lui faire une surprise. Il doit revenir d'ici quelques heures et j'ai invité quelques amis pour lui faire une surprise. Est-ce que vous accepteriez exceptionnellement de me prêter la clé, s'il vous plaît? Ouais. Un petit peu, tu vois un petit peu quand même, un petit peu gêné le fait que tu lui demandes la clé comme ça. Vous savez, c'est normalement, j'ai pas le droit de vous donner les clés comme ça, hein, ni de vous faire rentrer chez les gens. C'est... Non, mais je sais bien, mais je ne suis pas n'importe qui tout de même. Vous savez bien que voilà. Je ne vous demanderai pas ça si ce n'était pas pour lui faire une surprise. Tu vas me faire un petit jet. Oui. Tu vas me faire un petit jet de charme. Ouais. On peut la soutenir avec notre portement pour l'aider à avoir des bonus ou pas? De toute façon, j'allais déjà lui faire un jet de dé avec un jet de charme avec justement un des bonus, puisque Elisabeth, tu voilà, pendant le quand t'as commencé à venir chez Vincent, vous l'avez croisé à plusieurs reprises, il a toujours été très très chaleureux avec toi. Tu soupçonnes que le type voilà, t'es plutôt très jolie. Voilà une jolie jeune femme qui vient comme ça. Voilà, il t'a toujours parlé très très courtoisement, très correctement. Petit sourire. Est-ce que je sais si ce monsieur a fait la guerre ou pas? Non, il a pas fait la guerre. Il est
Non, non, il a la petite cinquantaine. D'accord. Bah, je vais quand même lui glisser. Vous savez, en ce moment, ses blessures le relancent et il n'a pas beaucoup le moral. Alors, c'était un petit peu pour égayer cette journée. Vous comprenez, c'est pas toujours facile en ce moment pour Monsieur Ferrier. Fais-moi un petit jet de charme avec un des bonus. Alors, je ne sais pas si ça a pris le débonus en compte ou pas. Si, ça l'a pris, on l'a vu voilà. Partir. Ah bah, c'est bon. Oh bah, là, largement. Bah, écoute, tu vois qu'il pousse un petit soupir, mais vraiment le soupir un peu forcé, tu sais, avec un petit sourire. Bon, mademoiselle, c'est bien parce que c'est vous, hein. Alors, je lui fais un clin d'œil, je lui dis, ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Merci, parce que un des locataires venait à savoir ça, je pourrais avoir des ennuis. Mmh. Mais je me doute que avec vous, il n'y aura pas de problème. Mais non, loin de moi l'idée de vous créer des soucis. Allez-y, entrez dans le vestibule. J'arrive, je vais chercher la clé. Mmh, merci, vous êtes un homme adorable. Oui, il rentre effectivement. Vous le retrouvez quelques secondes après dans le vestibule. Il vous regarde tous. Il vous a comment dire, pas dévisagé. Hein, il a juste jeté un œil, vous fait un petit signe de tête pour vous saluer. Et il vous précède dans l'escalier et il vous mène au deuxième étage, le porte de droite. À chaque palier il y a que deux portes, à droite et à gauche, donc porte de droite il déverrouille la porte et je vous fais confiance. Il te tend la clé. Je sais pas combien de temps vous en avez pour préparer la petite surprise. Si jamais si vous n'avez plus besoin de la clé après, vous me la redescendez, vous venez taper à la porte et vous me la remettez discrètement, d'accord? Évidemment. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Et puis il descend machinalement. Donc il avait juste glissé la clé dans la serrure. Il n'a pas déverrouillé la serrure. Il l'a laissé comme ça. Il vous laisse vous en occuper. Donc voilà. Bon. Je vous jette un regard. Non, on entre, on regarde. Alors, je suppose que c'est Elisabeth qui entre. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Oh, ok. Non, comme c'était déjà vu plusieurs fois. Bah, c'était surtout dans le sens où qui est-ce qui déverrouillait la porte. Ah. D'accord, je croyais que c'était le concierge qui l'avait fait, j'avais pas compris. En fait, il avait juste glissé la clé dans la serrure et après il est parti pour vous laisser. Il vous laisse faire ce que vous avez à faire. Oh bah oui, bah on laisse faire Elisabeth. Bon, d'accord. Donc, je déverrouille la porte. Donc, la porte s'ouvre sur un petit appartement que tu as côtoyé pendant quelques temps. Ferrier n'a jamais été quelqu'un de très très ordonné, ça a toujours été un mal rangé chez lui, ça n'a pas changé. Bon, on rentre pareil. Tous et je reverrouille derrière nous et je garde la clé. D'accord. Donc comme je disais, un petit deux pièces, vous entrez dans une espèce de salon, il y a un petit coin cuisine. Une vieille banquette qui a connu des jours meilleurs avec un plaid un peu
une couleur un peu passée. Une porte dans le fond de la pièce. Donc tu sais que il y a une toute petite salle de bain. Par contre, à l'époque, il y avait beaucoup d'immeubles comme ça. Les toilettes sont, en fait, il y a des toilettes sur le palier. Donc sur le palier, il y avait bel et bien trois portes, deux appartements et la porte des toilettes. Et tu sais qu'il y a dans la deuxième pièce, c'est ce qui lui sert de chambre. Dans ce qui lui sert de salon. Ah bon. C'est totalement conforme à tes souvenirs, un peu de fatras un petit peu partout. Par contre, petit détail assez impressionnant qui t'avait impressionné déjà le jour où t'étais la première fois que tu es rentré chez lui. Il y a carrément accroché à un mur les pièces d'un empennage d'avion. Un avion que, selon ce qu'il t'a raconté, qu'il a abattu. Puisqu'il y a, c'est clairement l'empennage d'un avion allemand. Jules, pour toi c'est pareil, tu reconnais ça tout de suite. Docteur Masson, toi tu reconnais, ouais, t'en avais déjà vu. Ouais, j'ai travaillé dans des aérodromes, donc oui, ça me parle. Donc d'ailleurs, il y a même. Moi je demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un empennage d'avion allemand qu'il a abattu. Oh! À savoir que ça prend la moitié du mur. Hein. D'accord. Ouais. Ça va être un peu bizarre pour vouloir ça chez soi, mais. Oh, voilà, c'est comme des trophées, quoi, des trophées de chasse. Hein. Ah, bah, vous avez pas vu mon appartement, là. Arrête, pas un avion, ouais. Donc, après, il y a quelques papiers qui traînent, il y a un secrétaire qui est ouvert, il y a un peu de vaisselle sale qui traîne dans ce qui sert d'évier, quelques vêtements aussi qui traînent, qui sont pas rangés, voilà. Il y a pas une petite bibliothèque, quelques bouquins. Oui, il y a une petite bibliothèque. Mais alors, quand je dis petite, c'est qu'il y a, même pas une vingtaine de bouquins. Et surtout, quand tu commences à jeter un œil aux bouquins, c'est principalement des livres sur l'aviation. Quelques livres aussi sur des domaines un peu plus techniques de l'aviation. Est-ce qu'on a une impression que son appartement a été visité? Ou est-ce que c'est l'état général dans lequel il vivait, en fait? Le fait qu'il y a la vaisselle sale, il y a des vêtements un peu partout, etc. Alors, je vais vous demander à tous un jet de toc, puisque la baronne, toi, tu voulais jeter un petit coup d'œil au papier. Jules, toi, tu regardes un petit peu s'il y a des traces d'effraction, un truc comme ça. Je fais un petit pause. Ouais, c'est ça, je fais un petit peu le tour. Je regarde les fenêtres, si elles ont pas été, tu vois, si elles sont fermées, etc. Vu qu'Elisabeth a ouvert avec la clé, etc. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu d'effraction. Mais par rapport aux fenêtres, etc., voir si effectivement elles sont fermées, faire un petit tour général comme ça, juste visuel, hein, pas. Je ne touche à rien pour le moment, je regarde juste visuellement s'il y a des choses qui me tapent à l'œil, en fait. Ok. Elisabeth et le docteur Bernard, vous faites quelque chose en particulier? Vous fouillez quelque chose en particulier? Moi, je regarde au niveau des bouquins, voir même si je repère pas des notes. Entre des livres. Alors, voir s'il n'y a pas un livre qui sortirait de l'ordinaire, quoi. Et moi, j'essaie de me souvenir, est-ce qu'il y avait un endroit où il rangeait discrètement des papiers ou des documents ou, voilà. Est-ce que dans mes souvenirs, il y avait un endroit où il cachait des choses ou, voilà. D'accord. Alors. La question, c'est vraiment,
vous prenez vraiment votre temps pour fouiller les domaines qui vous intéressent. Bah on n'est pas pressé par le temps, on a donc du coup on prend notre temps quoi. D'accord. Donc dans ce priori, il risque pas de venir nous interrompre. C'est ça. Non. Alors dans ce cas-là, je vous fais pas faire de jet pour le chercher puisque vous avez effectivement vous fouillez tranquillement. Voilà, c'est. Alors. Je vais commencer par Jules. Donc toi tu commences à jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il y a eu des signes d'effraction, est-ce qu'il y a eu des signes de fouille ou quoi que ce soit? Non, t'as vraiment pas l'impression, t'as vraiment l'impression que c'est juste qu'il range pas un peu, il range pas son appart tous les jours, c'est probablement un peu comme toi peut-être. Mais en tout cas non, pas de traces. Par contre, petit détail, alors que tu viens de faire le tour du salon, et alors que tu t'approches tu diriges vers la deuxième pièce qui sert de chambre, t'as vu jusqu'à maintenant, t'avais juste vu la porte légèrement entrouverte et t'avais vu le coin d'un lit. Et quand tu arrives à la porte, tu sens une odeur assez assez étrange. C'est pas vraiment pas une odeur chimique, mais un truc assez qui te pique un peu les narines. C'est pas nauséabond non plus, mais c'est pas très agréable non quand même comme odeur. D'accord. Ça provient de la chambre, c'est ça? Ça a l'air de provenir de la chambre. Ouais. Tu sens ça au moment où t'es arrivé à la porte, tu t'apprêtais à pousser la porte que t'as cette légère odeur là. C'est pas une odeur de gaz? Non. C'est pas de l'ammoniac? Alors, c'est... Et du chloroforme? Non, 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 c'est... T'as vraiment... T'arrives pas à dire... On va tous être en train de... Ce que ça peut être. Par curiosité, ouais. Je pousse la porte de ma main pour ouvrir en grand la porte de la chambre. Ok, bah écoute, la porte se s'ouvre tout doucement. L'odeur devient un petit peu plus présente. Et tu... Alors, dans un premier temps, t'arrives pas... Voilà, la chambre, le lit est mal fait, il y a des vêtements qui sont un peu posés n'importe comment sur des chaises. La seule chose qui est nickel... C'est un cintre avec son uniforme militaire qui lui par contre est accroché à un porte-manteau nickel. Voilà, il y a pas de, c'est pas posé en tapon comme ça n'importe où. Donc dans un premier temps, voilà, juste ça. Et puis tu remarques l'odeur provient du lit. Du lit ou peut-être même de l'autre côté du lit. Du côté que tu ne distingues pas depuis la porte. Est-ce que l'odeur est entêtante et que je suis obligé de mettre un mouchoir devant mon nez tellement l'odeur est insupportable ou c'est vraiment léger? Non, 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 c'est pas insupportable au point d'être de suffoquer tout ça, ni de même de mettre sa main devant son nez. C'est voilà, c'est juste désagréable. Une odeur âcre. Oui, ouais, ouais. Ok, bah je me déplace du côté où je ne vois absolument pas le sol de la chambre. Donc je me dirige vers le côté où je ne vois rien en fait. Je me déplace lentement et puis en me penchant un peu pour voir. Très bien. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet de santé mentale. Oh non. Pourquoi j'ai dit ça? Oh, la vie est injuste quand même.